FSI French, Unit 20, Part 6. Exercice 7. Ils ne nous en ont plus donné. Ils ne nous en ont plus donné. Envoyé. Ils ne nous en ont plus envoyé. Parlez. Ils ne nous en ont plus parlé. Apportez. Ils ne nous en ont plus apporté. Demandez. Ils ne nous en ont plus demandé. Proposez. Ils ne nous en ont plus proposé. Offert. Ils ne nous en ont plus offert. Exercice 8. Plus personne n'y va. Plus personne n'y va. N'en veut. Plus personne n'en veut. N'y fait attention. Plus personne n'y fait attention. Ne s'y intéresse. Plus personne ne s'y intéresse. Ne s'en occupe. Plus personne ne s'en occupe. Ne s'en plaint. Plus personne ne s'en plaint. Ne l'aime. Plus personne ne l'aime. Ne lui écrit. Plus personne ne lui écrit. Exercice de vérification. Exercice A1. Instructeur. Je ne comprends pas ce qui se passe. Étudiant. Je ne comprends plus ce qui se passe. Je ne m'intéresse pas à ce qu'ils font. Je ne m'intéresse plus à ce qu'ils font. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait plus ce qui se passe. Nous ne voulons pas continuer ainsi. Nous ne voulons plus continuer ainsi. On ne trouve pas ce dont on a besoin. On ne trouve plus ce dont on a besoin. Vous n'avez pas besoin de vous en faire. Vous n'avez plus besoin de vous en faire. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé. Je ne me souviens plus de ce qui s'est passé. Allons-y, il ne pleut presque pas. Allons-y, il ne pleut presque plus. Exercice A2. Mettre les phrases suivantes au passé composé ou, s'il y a lieu, à l'imparfait de l'indicatif. Instructeur. On ne s'en plaint plus. Étudiant. On ne s'en est plus plaint. Instructeur. Mon vieux costume ne me va plus. Étudiant. Mon vieux costume ne m'allait plus. Nous n'en voulons plus. Nous n'en avons plus voulu. Elle ne s'en sert plus. Elle ne s'en est plus servie. Ça ne se trouve plus à la même adresse. Ça ne se trouvait plus à la même adresse. Je ne leur en veux plus. Je ne leur en ai plus voulu. Il ne s'agit plus de ça. Il ne s'agissait plus de ça. Nous ne nous en occupons plus. Nous ne nous en sommes plus occupés. Ils ne m'écrivent plus. Ils ne m'ont plus écrit.
Je ne compte plus y retourner. Je ne comptais plus y retourner. Nous n'avons plus de leurs nouvelles. Nous n'avons plus de leurs nouvelles. Ce costume ne me va plus très bien. Il n'est plus à la mode d'ailleurs. Ce costume ne m'allait plus très bien. Il n'était plus à la mode d'ailleurs. Exercice A3. Instructeur. J'ai encore quelque chose à faire. Étudiant. Je n'ai plus rien à faire. Il nous reste encore quelque chose d'important à faire. Il ne nous reste plus rien d'important à faire. J'ai encore besoin de quelque chose. Je n'ai plus besoin de rien. Il me manque encore quelque chose. Il ne me manque plus rien. Je me souviens encore de tout. Je ne me souviens plus de rien. Il leur reste encore quelque chose. Il ne leur reste plus rien. J'ai encore quelque chose à ajouter. Je n'ai plus rien à ajouter. Ça me sert encore à quelque chose. Ça ne me sert plus à rien. Ça peut encore servir à quelque chose. Ça ne peut plus servir à rien. Exercice A4. Instructeur. Ce que vous faites vous intéresse encore beaucoup? Étudiant. Non, ce que je fais ne m'intéresse plus beaucoup. Fais-tu encore attention à certains détails? Non, on n'y fait plus attention. Vous souvenez-vous encore de votre premier jour au bureau? Non, je ne m'en souviens plus. Avez-vous encore votre vieille auto? Non, je ne l'ai plus. Les magasins ferment-ils encore le lundi? Non, ils ne ferment plus le lundi. Allez-vous encore souvent à la pêche? Non, je n'y vais plus souvent. Est-ce qu'on voyage encore beaucoup par le train aux États-Unis? Non, on n'y voyage plus beaucoup par le train. Est-ce que vous critiquez encore la politique de votre gouvernement? Non, je ne la critique plus. Vos enfants vous obéissent-ils encore? Non, ils ne m'obéissent plus. Exercice A5. Instructeur. Il est toujours à Paris. Il changera de poste en juillet. Étudiant. Il n'est plus à Paris. Il a changé de poste en juillet. Il est toujours au bureau. Il rentre à 5 heures. Il n'est plus au bureau. Il est rentré à 5 heures. Il est toujours dans l'armée. Il terminera son service militaire le 26. Il n'est plus dans l'armée. Il a terminé son service militaire le 26. Nous habitons toujours au même endroit. Nous déménageons à la fin du mois. Nous n'habitons plus au même endroit. Nous avons déménagé à la fin du mois. Je me souviens toujours de ce qui s'est passé. Je ne l'oublie pas. «
Je ne me souviens plus de ce qui s'est passé. Je l'ai oublié. Notre point de vue est toujours le même. Il ne changera pas. Notre point de vue n'est plus le même. Il a changé. J'aime toujours voyager. Ça ne m'ennuie pas. Je n'aime plus voyager. Ça m'ennuie. Je travaille toujours au même projet. Il n'est pas fini. Je ne travaille plus au même projet. Il est fini. La situation est toujours désespérée. Elle n'a pas l'air de s'améliorer. La situation n'est plus désespérée. Elle s'est améliorée. Exercice A6. Traduisez. He no longer works here. Il ne travaille plus ici. I don't take care of it anymore. Je ne m'en occupe plus. I don't remember it anymore. Je ne m'en souviens plus. We no longer have any. Nous n'en avons plus. It's better not to go there anymore. Il vaut mieux ne plus y aller. She no longer complains about it. Elle ne s'en plaint plus. We don't get along with her anymore. Nous ne nous entendons plus avec elle. I no longer need it. Je n'en ai plus besoin. We no longer rely on him. Nous ne comptons plus sur lui. We don't get confused anymore. Nous ne nous embrouillons plus. Exercice A7. Traduisez. Nobody goes there anymore. Plus personne n'y va. I have nothing more to say. Je n'ai plus rien à dire. Nobody remembers it anymore. Plus personne ne s'en souvient. Nobody got lost anymore. Plus personne ne s'est perdu. I have no more money to spend. Je n'ai plus d'argent à dépenser. We no longer need anybody. Nous n'avons plus besoin de personne. Nobody complains about it anymore. Plus personne ne s'en plaint. Nothing interests me anymore. Plus rien ne m'intéresse. Exercice A8. Traduisez. We are lucky that it doesn't rain anymore. Nous avons de la chance qu'il ne pleuve plus. It would be better if you went there more than once. Il vaudrait mieux que vous y alliez plus d'une fois. I have more reasons to leave than to stay. J'ai plus de raisons de partir que de rester. I don't smoke any more than I did before. Je ne fume pas plus qu'avant.
We don't travel much anymore. Nous ne voyageons plus beaucoup. I'm afraid he doesn't remember us anymore. J'ai peur qu'il ne se souvienne plus de nous. I've known them for more than 5 years. Je les connais depuis plus de 5 ans. We have a little more than a week left. Il nous reste un peu plus d'une semaine. Exercice de présentation. Deuxième partie. Ne jamais. Exercice 1. Nous ne gagnons jamais. Nous ne gagnons jamais. Acceptons. Nous n'acceptons jamais. Sortons. Nous ne sortons jamais. Voyageons. Nous ne voyageons jamais. Jouons. Nous ne jouons jamais. Insistons. Nous n'insistons jamais. Abandonnons. Nous n'abandonnons jamais. Réfléchissons. Nous ne réfléchissons jamais. Exercice 2. Nous n'en avons jamais. Nous n'en avons jamais. Faisons. Nous n'en faisons jamais. Achetons. Nous n'en achetons jamais. Recevons. Nous n'en recevons jamais. Profitons. Nous n'en profitons jamais. Trouvons. Nous n'en trouvons jamais. Prenons. Nous n'en prenons jamais. Laissons. Nous n'en laissons jamais. Exercice 3. On ne nous a jamais écrit. On ne nous a jamais écrit. Invité. On ne nous a jamais invité. Aider. On ne nous a jamais aidé. Arrêter. On ne nous a jamais arrêté. Trouver. On ne nous a jamais trouvé. Menti. On ne nous a jamais menti. Obéi. On ne nous a jamais obéi. Cru. On ne nous a jamais cru. Exercice 4. Il ne vient jamais personne. Il ne vient jamais personne. On ne voit. On ne voit jamais personne. On ne trouve. On ne trouve jamais personne. Il ne passe. Il ne passe jamais personne. Il ne reste. Il ne reste jamais personne. Il ne manque. Il ne manque jamais personne. Nous n'avons. Nous n'avons jamais personne. On ne rencontre. On ne rencontre jamais personne. Exercice 5. Je n'y retournerai plus jamais. Je n'y retournerai plus jamais. Ça n'arrivera. Ça n'arrivera plus jamais. Ils ne s'en plaindront.
Ils ne s'en plaindront plus jamais. Je ne me perdrai. Je ne me perdrai plus jamais. Ils ne mentiront. Ils ne mentiront plus jamais. On ne l'oubliera. On ne l'oubliera plus jamais. Vous n'y penserez. Vous n'y penserez plus jamais. On les invitera. On ne les invitera plus jamais. Exercice 6. Vous ne dites jamais rien. Vous ne dites jamais rien. Ils ne veulent. Ils ne veulent jamais rien. Elle ne sait. Elle ne sait jamais rien. Je ne garantis. Je ne garantis jamais rien. Tu ne fais. Tu ne fais jamais rien. Il ne vérifie. Il ne vérifie jamais rien. Il ne dépense. Il ne dépense jamais rien. Nous ne buvons. Nous ne buvons jamais rien. Exercice 7. Je ne dirai jamais plus rien. Je ne dirai jamais plus rien. On ne fera. On ne fera jamais plus rien. Vous n'aurez. Vous n'aurez jamais plus rien. Il ne se passera. Il ne se passera jamais plus rien. Je ne promettrai. Je ne promettrai jamais plus rien. Nous ne garantissons. Nous ne garantissons jamais plus rien. Nous n'achetons. Nous n'achetons jamais plus rien. Je ne propose. Je ne propose jamais plus rien.